Ce jeudi 30 mars, sur sa page Instagram, Xavier Delarue a rendu hommage à son papa, décédé il y a 3 ans du coronavirus. Pour ce faire, il a posté une photo de lui enfant, accompagnée d'une légende bouleversante. Fin mars 2020, en pleine épidémie du coronavirus, Xavier Delarue annonçait une terrible nouvelle à ses abonnés sur Instagram. L'ancien compagnon de Tatiana Laurence Delarue indiquait avoir perdu son papa des suites du virus. Le Covid-19 t'a retiré de notre vie soudainement et brutalement. Nous sommes dévastés de ton départ. Mais nous ne lâcherons pas tant que ne sera pas reconnu comme victime de ce fléau. Je t'aime à jamais papa, postait-il. Sur Twitter, il en avait dit plus sur les circonstances de sa disparition. Il a été frappé de plein fouet dans son établissement, EHPAD, lors de sa mise en quarantaine, puis le confinement national. Nous, ma famille et moi, sommes pris d'une immense tristesse et incompréhension suite à ce violent départ, confiait-il. Le petit enfant qui tient tes mains n'aurait jamais voulu les lâcher. Ce jeudi 30 mars, Xavier Delarue a tenu à honorer la mémoire de son père, 3 ans après sa mort. Il a ainsi posté sur sa page Instagram une photo de lui enfant où il apparaît aux côtés de son papa. Sur le cliché en question, ce dernier lui tient les mains. En légende, il a posté le message suivant, « Déjà 3 ans que ce virus t'a enlevé. Il est venu et t'a pris, sans que l'on puisse te dire au revoir. Le petit enfant qui tient tes mains n'aurait jamais voulu les lâcher, je t'avais fait une promesse. Je tente tous les jours de m'y tenir, ta voix n'est plus là, mais tu me guides. Nous t'aimons, je t'aime. À jamais dans mon cœur. » Xavier Delarue papa depuis février 2022. Malgré sa tristesse, Xavier Delarue a avancé dans ses projets et dans sa vie personnelle. Ainsi, le 10 février 2022, il a annoncé la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Newt, fruit de ses amours avec Tatiana Laurence Delarue. L'ex-couple s'était fait connaître en 2007 dans la toute première saison de Secret Story diffusée sur TF1. Après plus de 19 ans de relation, ils ont mis un terme à leur amour en janvier dernier. C'est Tatiana Laurence Delarue qui en avait fait l'annonce sur sa page Instagram. Mais il ne s'agissait pas là de leur première rupture. En effet, ils s'étaient déjà séparés à l'été 2020 avant de se remettre ensemble et de l'annoncer un an plus tard. View this post ton Instagram à post shared by Xavier Delarue @xaverdelarue, à lire aussi nos chemins ne sont plus les mêmes, Xavier Delarue et Tatiana Laurence, Secret Story, réunis avec leur fils pour une grande occasion.